salut les petits salut les petits Neverwinteriens, les petites Neverwinteriennes, les Padivériens, les Padivériennes, ici Starcade, votre hôte, et nous sommes de retour pour l'épisode 5 des Hordes de l'Outre-Terre, la seconde extension, j'ai seconde parce que c'est la dernière, de Neverwinter Nights, édition améliorée. Après cette extension, peut-être qu'on fera quelques modules, mais ils sont la plupart en anglais, donc c'est un peu dommage. Et on est là donc pour continuer les hordes de l'Outre-Terre que je n'avais pas du tout fait. Donc on va charger la partie. J'en suis avec Kikelia, donc la disciple du dragon, je rappelle, hein, qui est niveau 8 en disciple du dragon seulement. Hein. Donc je sais pas si ça peut aller plus loin. J'ai aucune idée. Alors, hordes de l'Outre-Terre, chapitre blablabla. Ok, et on va charger. J'étais devant. Ah oui, j'ai récupéré Tommy, la potence, que j'ai ressuscité. Alors, petit résumé. Au profonde, alors je me suis réveillé dans une auberge, comme c'est original. On m'a volé, je mets en pause, on m'a volé tous mes effets. Apparemment, une drow m'a volé tous mes effets avant que je la tue. Elle l'a fait disparaître avec une espèce de rune bizarre. Donc je n'ai plus aucune affaire à moi. Mais j'ai quand même réussi à en prendre à l'auberge et aussi dans les divers magasins qui sont encore ouverts pendant l'attaque. Car au profond, il est attaqué par les drows et les duergars venant des profondeurs de l'Outre-Terre. Et pour ça, il passe à travers mon profond, qui est un labyrinthe sous eau profonde. Mon profond qui a été élaboré par un archimage qui s'appelle Alastair. Donc, on essaie de trouver Alastair, on essaie de trouver aussi les raisons et les moyens que les duergars et les drows mettent à leur disposition pour envahir eau profonde, enfin, attaquer en tout cas. Et autre chose aussi, c'est que Alastair a disparu apparemment. J'ai rencontré une fée qui... Enfin, la reine des fées à un moment qui était prisonnière là, qui me l'a dit. Donc pour l'instant on cherche un moyen de descendre à nouveau dans les étages. On est au deuxième niveau là. Et on essaie d'aller dans le troisième niveau, je sais pas comment on va y aller. Il y a des clés en fait à placer ici quelque part. Et pour descendre apparemment au troisième, escalier vers le bas. Donc pour l'instant j'ai fait ici je crois. J'ai fait centrale, j'ai fait ici la sortie vers le sud. Maintenant je vais faire la sortie vers l'est et après on fera vers le nord. Parce qu'il y a des choses à trouver pour ouvrir la porte qui vient vers le bas. Il faut ce qu'on appelle ici des chaînes. Chaînes jaunes, chaînes vertes. Donc là ça n'a pas été utile. Je peux même les jeter maintenant si je veux. Parce que j'ai pas utilisé la sortie du milieu au premier étage. J'ai pris la sortie latérale qui a été pas trop difficile à ouvrir, donc ça va. Allez, je suis donc avec Tommy qui va voir les pièges, ce gentil Tommy, et avec Charwin. Alors Charwin c'est la magicienne soigneuse entre guillemets, je préférerais l'Inu hein, pour me soigner, mais bon. Et Tommy et Charwin, donc, et Daelan, le guerrier, est reparti vers l'auberge du portail béant. Donc là on va passer donc du côté est du deuxième niveau pour voir un peu ce qu'il y a. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui vont se retrouver là. Personne. Alors c'est fait très tombeau en fait, hein, le deuxième niveau là. On va se mettre tous en mode recherche. Car je rappelle que Tommy peut faire de la recherche, moi aussi d'ailleurs. Ah, encore des empreintes. Le sol est couvert de traces humanoïdes. Il y en a plein comme ça, c'est... là aussi d'ailleurs, tiens, c'est bizarre, pourquoi ici? Y aurait-il un passage secret par là? Qu'est-ce que ça fout là à côté du gouffre? On se pose la question, franchement. Donc alors je montre Ikelia, donc elle a une très belle armure qu'elle a trouvée. Un très beau casque qui permet d'aller plus vite. Alors par contre il manque toujours d'aller plus vite, hein, de voir mieux les choses. Fouille plus 5, savoir plus 5, vous voyez. Il manque toujours des anneaux, hein, et puis des gantelets. Mais l'armure c'est une armure en plaque plus 3, et j'ai aussi un pavois plus 3. Ça monte mon armure classe à 33 je crois. Au niveau 15, c'est pas extraordinaire, mais bon. Je suis niveau 15, je suis le début. J'étais niveau 14 en commençant. J'aurais dû être niveau 15, mais bon. C'est pas très grave. J'ai réussi à passer, c'est bon, c'est pas mal. Avec l'argent que j'avais récolté avant, j'avais plus 400 000 pièces d'or, j'ai pu m'équiper comme une malade. Bon. Il ne semble pas y avoir de pièces ou de passage secret. Alors je suis obligé de faire du lentement pour savoir ce qu'il y a. Ah. J'ai eu un ralentissement, ça veut dire quand il y a un ralentissement, c'est qu'il y a un spawn de monstres. C'est un peu le problème dans le jeu, c'est qu'on est au courant et qu'on y a des spawns de monstres, enfin des apparitions de monstres.
Ok, bon, je vais peut-être. Alors, je sauvegarde avant chaque porte aussi. Parce que. Je suis un pétocheux. Oups. Un Derakshasa. Oh là 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 là, ils sont immunisés à la magie. Ah, Derakshasa. Bon bah. Oui. Alors. Vous avez besoin de quelque chose ? Les groupes de sorts de renfort. Tous les sorts de renfort de courte durée dont vous disposez. Sur vous-même, sur moi, sur les membres du groupe. C'est du groupe. Parti. Un dialogue. C'est bien, on peut leur demander de lancer des sorts. Ah, elle a lancé Ast. Hâte, cet imbécile. Ouais, d'accord. Ça, c'est bien, c'est pour toi. Parfait. Ok, bah on y va. Pas trop le choix, allez. Oh, ça va. Ils sont pas trop. Je crois que je suis tout seul à y aller là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Il n'y a aucun salut. Oui. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal, j'avoue. Oui. Il n'y a aucun salut. Non, 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 non. Toi, c'est toi, toi, je vais te tâter la gueule. Adept. Ils sont tous mis, j'ai l'impression. Ils ont tous mis. Peau de pierre. C'est quoi, c'est moi ou le son du jeu est le plus fort? Vous me direz, hein. Si son du jeu est plus, trop fort. Allez, allez, laissez-moi celui-là. Ah, il était de niveau. 408 points d'expérience, parfait. Allez, faut le finir. Premier né. Ouh, il va être chaud à avoir, j'ai l'impression, lui. Je sais pas pourquoi. Ouais, quand même. Wow. Ah oui, il est rapide, hein. Il doit être au moins, je sais pas, il doit être au moins niveau 15 ou niveau 16 lui. Ah, il a touché quand même bien, bravo, critique, il y avait quand même. Vous voyez, il a une peau de pierre sur lui. Bon, ça va. On va te raser la moustache, mon petit chaton. Hein? Rasage de moustache gratos. Ah, c'est bien, c'est que je régénère moi, donc c'est bien. Oh là 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 là, pénible hein. En plus il est agonisant. Un petit vin, ma petite Ikelia, allez. Allez hop. Il n'y a aucun salut. Eh ben voilà. 906 quand même, ah oui. C'est bon. C'est chaud hein. En fait j'aurais dû frapper sur le. Ah, une clé de cuivre. J'aurais dû taper sur le magicien dès le départ en fait. Fait un peu le bête. Ah, il doit racheter ça, je prends. Serp plus 3, bon, fouet. Ça bouclier plus 3, mais ça sert à rien. Ça, nous avons une Kurakawa. La peau de bête. Serp plus 3, modif plus 3, et esquive son naturel. Ah, ça peut être intéressant pour Tommy, peut-être. Regardez. Ah, c'était chaud, hein. Et j'ai monté de niveau, donc je suis plutôt content. Je l'ai pas prise. Ouais, mais c'est une armure, elle est bien la sienne. Donc je vais pas lui donner une autre armure que ça. C'est surtout elle peut-être qui est intéressante. Verte feuille. Non, pff, attends, elle est mieux avec verte feuille. Hein. Bon, allez, on prend les deux trucs pour les revendre. Petite clé trouvée alors. Pour un coffre, ça, tous les coups. Ou pas. Ou alors pour la porte qui est là. Ah, oui, il y a une porte fermée à clé. Donc il y a rien à ramasser là, à part ça. Oh, c'est lamentable. Eh ben, monter de niveau alors. Alors, est-ce que je peux monter? Ah oui, peut-être qu'il faut avoir autant de niveau de guerrier que de niveau de dragon rouge, je sais pas. Alors, est-ce que ça marche si je fais des dragons rouges? Ok. Je vais recommander. Ok, plus 13. Premier secours plus 3. Non, il veut pas. Donc, je pense que je vais continuer à monter guerrier pour l'instant. Que je regarde, normalement c'est bon. Ça se trouve, il y a que 8 niveaux. Ouais, c'est ça. 7, 8, ah non, 7, 9, 10.
Elle. Qu'est-ce qu'il faut pour être niveau. Je comprends pas en fait. Est-ce que quelqu'un. Attendez, je regarde. Niveau 8. Ah, peut-être qu'il faut plus de niveaux en fait d'autres classes avant de pouvoir monter en fait plus de niveaux de disciples de dragon rouge. Je sais pas, je connais pas la règle. Donc on va prendre guerrier. Parce que bah ça sert à rien, avec mon armure je peux lancer aucun sort. Alors, point restant, bah ouais, besoin de renforce, plus 6, voilà, ça va être mieux que rien. Discipline, ouais ça c'est pour pas être renversé. Ouais, je vais mettre en discipline, ok. Arme prédilection, j'ai déjà je crois, l'épée longue, j'ai déjà pas, ah bah non, épée longue, voilà, hop, pouf. Plus 10, ouais c'est bon. La constitution a plus 3, et non pas plus 4, hein, c'est un bonus. Donc plus 10. Ouais c'est ça, ça fait plus 11 en fait. Donc voilà, bon bah écoutez c'est pas mal, hein. 73 points de vie, pas me plaindre avec niveau 15, hein, niveau 16. C'est plutôt pas mal, hein. Donc surtout pour quelqu'un qui a 4 niveaux de barde. Bon, bah écoutez, on va sauvegarder ici. Parce qu'on est un peu pétocheux sur les bords. Je vais dire si le micro va bien, tout va bien. Vous me le diriez si ça allait pas bien, bien sûr. Je pense. Dites-le moi si le micro est pas bon, je vais faire une vérification. On reprend donc, j'ai vérifié le micro, semble pas mauvais, donc bon, mon micro est un micro de merde évidemment, mais comme j'ai pas les moyens d'acheter un autre micro de toute façon pour l'instant, on continue comme ça. Donc, un point de vie par round. Par contre, j'entends un bruit bizarre là, ça sent le bruit de... ça sent le portail. Je me soigne un peu plus vite. Je sauvegarde. Oui, je sais, c'est de la pétocherie, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Des gens du peuple ici à Montprofond? Wow! C'est étrange. Ah bah tu... D'accord. Ok. D'accord. Vivi. Ne pas taper sur lui là. Ça va être chaud les amis, ça va être très très chaud. Je pense que j'aurais jamais dû entrer en fait. On va voir si comment le combat se mêle, mais je pense que je retraiterai, n'est-ce pas? L'adepte. Je vais sur l'adepte. Il n'y a où. On va voir comment il se débrouille là-bas. Ah, Charesh est mort. Ça va. Il est où l'adepte? Il est là, c'est un premier nez. C'est les premiers nez en fait qui font mal. Mais bon, je vais la soigner elle. Moi que ce soit moi, mais je pense pas à mon avis. Ah ça va. Ça rebondit sur le dessus. Bah presque, pas tout à fait. Ah, je crois que j'ai fait un peu la bêtise. Ah Tommy, ah ouais Tommy est là, d'accord, ok. Il m'a fait peur ce con. Allez. On va soigner elle. Préparez-vous à me faire. Ah bah on dirait, ça va, ils ont pas eu le temps de trop se préparer en fait. Bizarre. C'était un peu le chaos là, j'avoue, là j'ai pas tout compris hein. Mais Charwin et Tommy sont vraiment super, hein. Vraiment là j'étais impressionné en fait. Charesh. Il a la chaîne rouge, pierre solitaire, des bottes qui font quoi? Propriété spéciale, dextérité plus 2, bonus d'armure plus 4. Eh ben. Par moine seulement évidemment.
Ah, double lame, ça va être intéressant pour qui ça? Chaotique dégâts, plus 3, chaotique plus 5, uniquement par loyal. Je suis pas sûr qu'elle puisse utiliser. Voyons ça. Non, mort et honneur, eh ben. Je lui laisse quand même, hein. Mais ça sert à rien, moi donc. Je lui laisse parce qu'il faut qu'elle transporte un peu de choses quand même, hein. Pas non plus exagérer. Bien! Ouais, viens par là, ma petite Charwin. C'était le combat le plus chaotique que j'ai fait depuis le début, là. C'était assez chaos. C'est pas grave. À part là que je te soigne. Ok, ça devrait suffire. Et on est là, apparemment, c'est tout. Ah non, il y a encore une porte au fond. Venez par là, les gars. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans les coffres. C'est parti! Il disait autre chose. Ah non, t'as mis la potence, c'est pas pareil. C'est pas pareil que le Halfling que j'avais dans. Dans la 2. Si, je crois que c'est lui, c'est le même. Pas de piège. Oui, d'ailleurs. Après le combat, toujours sauvegarder. Hein. N'hésitez pas. Si vous jouez là, si vous jouez à ce jeu, faites attention, sauvegardez quoi. Opale de feu. Une pierre solitaire, c'est ce qui me permet de. Je crois. De me téléporter. Je suis pas sûr. Il y a aussi une stèle. Pierre du portail. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre du portail. Un œil de Rakshasa, je prends. Pourquoi ils en prennent tout le temps partout? Ça sert à rien en fait. Couverte de prince humanoïde. Le coffre semble pas piégé non plus. Tommy, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on y va. Ah oui. Super. Ça, c'est du trésor. Ce qui me désole un peu, c'est que j'ai pas trouvé d'épée longue super intéressante. Ah, il y avait celle du haut là qui était sur les, le truc au niveau de la chambre des rois, mais. Et non plus sans pas piéger. Oui, bon. On va sauvegarder ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Encore des Rakshasa. Encore des Rakshasa. Qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Je pense que ce sont des Rakshasa qui ont été importés ici par notre cher ami Alastair. Je pense, hein, y a grande chance. C'est quoi déjà ça, cercle de guérison? Bah bien sûr. Allez hop. Waouh! Premier secours sur elle, elle est à peine blessée. Mais quand même. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le maximum ici. Je pense que j'ai assez de toute façon. Faudra que j'en achète à nouveau. Incroyable. Ah non, c'est bon. Non, si, je. Faudra que j'en achète à nouveau, je crois. Ouais. Pour en acheter à la demoiselle à côté du portail, donc ça va. Bon, eh ben écoutez, on se fait un petit sauvegarde, voilà. Et puis on va foncer. On pose la question. Attends, comme je dis toujours, une nouvelle aventure pour parfaire mon incroyable carrière. Ici. D'accord. Attendez ici. Les amis. Personne à qui que frapper comme ça de loin? Si, lui peut-être. Je serai victorieuse! Allez, on les attend à la porte. C'est parti! Voilà. On ferme la porte, allez pour les faire chier, voilà. Aïe! Et Tommy, allez! Tommy, frappe! C'est bien! Il faut un boucan quand il meurt! Hein. Reste là, toi tu restes là aussi. C'est parti! D'accord! Ouais, c'est tout?
Prenez ça. C'est con, hein. Et hop. Rapproche-toi, petit gars. Et... allez. Bon allez, on va y aller avec la force du barbe, les gars. Allez, on y va. Y'a que moi qui... ah, dommage. Pas grave. Il n'y a aucun salut. Oups. Ouais, ça fait mal, là. Ouais, ça fait mal. Ouais, attention, ça va faire mal. Prenez ça. Ça va, Tommy? Ouais, c'est bon. Tommy va bien. Ah, ils sont balèzes les Rakshasa finalement. Et en fait, je crois qu'ils ont des niveaux de mage, je crois, de base. Eh, t'es bien Charwin avec sa double lame là. J'aime bien, moi. C'est tout? Ouais, bon. Hey, de Rakshasa. Alors, j'adore, c'est le. On est en train de les énucler, en fait, on les énucle. Incroyable. Tommy, il va falloir que tu te reposes. On va faire un petit repos pour tout le monde. Voilà. C'est parfait. On arrive à la salle finale, je pense. Il n'y a pas l'air d'avoir de passage secret. Ce qui est un peu étonnant, hein, mais bon, on voit tout. Hein. Pas super design, hein, c'est quoi ce... c'est quoi ce truc, quoi. Et ma pierre Yun, elle est où? Elle est là. Ok, ça peut y avoir de pièges à première vue. Sur les coffres en tout cas. Sur le sarcophage, je suis pas sûr. Pas mal de feu encore. Ouh, de l'argent. Le dernier coffre. Tommy, tu vois quelque chose ou pas, non? Pas grand chose, je suppose. Non, il n'est pas verrouillé. On y va. Restauration partielle encore, bon, pourquoi pas. Ah, par contre, c'est amusant, ça va être le sarcophage. Il n'est pas verrouillé non plus, mais je sens que ça va faire une grosse explosion de quelque chose. Genre un mort-vivant monstro qui va sortir. Donc on va bien voir ça tout de suite. Attention, vous êtes prêts, les gars? Attends, oui. Charwin. Vous avez besoin de quelque chose? De sort de renfort. C'est parti. Il va rien avoir, je suis sûr, hein, mais je préfère prendre une précaution quand même. Elle m'a envoyé Trussing en anglais, c'est vu vrai. Vu véritable. Vu sacré. Vu magique. Je suis à 36 de pièces d'armure, merci. On va regarder. Quelqu'un a précipitamment déposé dans le sarcophage le cadavre de Linu, prêtresse de l'... eh ben dis donc. A ramené à la vie, évidemment. La prêtresse elfe remue doucement et ça frotte la tête. Elle paraît un peu perturbée et regarde autour d'elle, cherchant un élément quelconque auquel se raccrocher. Linu, c'est moi, Charwin, tu sais où tu es? Charwin? Ah oui, Charwin, je me souviens de toi. Ça commence à me revenir. La bataille à l'auberge de Durnan, je me rappelle. C'est une prêtresse elfe, hein, si je me souviens bien. Tu as meilleure mine que la dernière fois que je t'ai vue. Heureuse de te voir saine et sauve. Grâce à Ikelia, elle a trouvé mon corps et m'a ramené à la vie. Tout comme toi. Qu'est-il arrivé, Linu? Tu es encore un peu trouble. Attends, je me rappelle que tu as reçu une flèche, que tu es tombé. Et Dehalan a poussé un cri de guerre avant de filer dans le couloir sans réfléchir. Ensuite, Tommy a détalé dans la direction opposée. Une armée de drow est sortie de nulle part et je savais que je n'avais aucune chance seul contre eux. Alors j'ai couru après Tommy. Vous m'avez laissé ici? Alors ça, c'est héroïque.
Désolé, très cher. Je ne t'aurais pas servi à grand-chose si j'étais morte moi aussi. J'ai toujours eu l'intention de revenir te ressusciter un peu plus tard. Peu importe, mais j'aurais pensé que tu suivrais plutôt Daelan qu'un voleur. Daelan est un puissant guerrier Utgard. Tommy n'est qu'un petit gabarit. Il a plus besoin de mon aide que le demi-orc. J'ai besoin que d'une seule personne, un petit gars plein de ressources du nom de Tommy la Potence, d'accord? Tommy se débrouille tout seul et si vous voulez mon avis, il s'en sort très bien. Ah, je me disais qu'il pourrait être bon de le garder à l'œil. Non pas que je m'évite toi, Tommy, mais parfois il faut assister un peu pour que tu fasses ce qui est nécessaire. Comment avez-vous fini plié dans ce sarcophage, Linu? Ah, les Rakshasa ont dû essayer de me cacher là pour entretenir leur ruse. C'est-à-dire? Entretenir leur ruse? Même moi, je suis sur le cul. Dire que je les ai pris pour des esclaves et que j'ai voulu les aider. Ah bah oui, ils avaient l'apparence d'esclaves. Je t'avais bien dit qu'il y avait un truc blouche, non? Et tu ne voulais pas écouter ce bon vieux Tommy. Non, tu n'as pas arrêté de parler de protéger les innocents. Tu me prêtais de lâche. Enfin, c'est ce que j'ai toujours. Fais du bien à un vilain et te crache dans la main. Tes paroles sont ignobles, Tommy. Ce n'est pas une erreur qui va changer mes croyances. Je ferai toujours de mon mieux pour aider ceux qui sont dans le besoin. Je devrais juste être plus prudente à l'avenir. Je vois que les Rakshasa sont tous morts. C'était des créatures maléfiques et leur existence même était un affront à tout ce que je représente. Pour cela aussi, je vous remercie. Ok. C'est pathétique, j'aurais dû vous laisser pourrir. Pourquoi ne pas venir avec moi, Linu? Regarde vos compagnons. Apparemment, vous avez déjà toute l'aide qu'il vous faut, très cher. Et les gens à l'auberge de Durmain auront sans doute besoin de soins. Oui, c'est vrai, elle a raison. Au revoir et bonne chance. Tout le monde compte sur vous à présent. Très bien. Bon, bah voilà, on a trouvé Linu au moins. On va repartir en arrière. Allez, on va courir un peu. Il y avait rien dans le sarcophage d'ailleurs? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le sarcophage? Je crois que c'est tout, je crois. Ouais. Il y a rien du tout. Il manque une chaîne pour ouvrir le truc, donc ça va être dans le. Dans la partie. C'est la partie sud ou nord? Surtout que c'est le nord, je crois. J'ai fait sud et est pour l'instant. Donc je vais partir de la partie nord du niveau. Esclave sale mort. Ah dommage. C'est un vrai esclave en fait lui. Les Rakshasa ont pris l'apparence des esclaves. Quelle bande de petits. De petits chatons vilains. Ah oui, pardon. Les petits chatons galopins. Bon, Tommy et Charwin, bon, c'est mieux que rien. Ah, peut-être que je peux faire un petit portail, là. Non, pour l'instant, ça va. Pas besoin. Ah oui, bah c'est ça, voilà. Tommy, si tu pouvais me libérer du piège. Ouh, des pièges partout. C'est très gentil. Et voilà, c'est fait. Merci Tommy. On va pas te dérouiller la porte non plus, non, ça te dérangerait. Ah oui, il peut. Il m'aurait dit non sinon. Et bravo. Voilà, c'est fait. Et le piège là? Je vais pas l'enlever non plus. Ah là, c'est bien. Et voilà, c'est fait. Il y avait rien du côté de toute façon. Allez, on va essayer de se sauvegarder déjà. Et on y va. Je pense que la chaîne se trouve ici, la dernière chaîne. On va voir. On va voir. C'est bien reposé, ça devrait aller. J'ai assez de soins, je pense. Au pire, hein, je retournerai. Vous voyez ces traces? On dirait qu'il y a des gobelins dans le coin. Méfions-nous. Pour que des gobelins aient survécu ici, ils doivent être sacrément malins. Tu m'étonnes. Tommy, le piège? Merci. En plus, la porte est verrouillée. Bizarre. Et voilà, c'est fait. Maintenant, c'est crochette. Parti. C'est parti. Non, t'es pas crocheté?
C'est parti. Il y avait des gobelins. Guetteur gobelin entre en rage. Il rentre en rage. Revenez, revenez, revenez. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bande de nuls. D'accord. Oh putain, j'y crois pas. Non. Allez. Ouais, ils ont eu avec un piège, je sais pas ce que c'est, mais elle prend cher, Charwin, hein. Qu'est-ce qu'ils nous font là, les gobelins? C'est bizarre que Charwin prenne aussi cher en fait. Pour la gloire! Pourquoi ils ont foncé ces imbéciles, hein? Incroyable. Ça va, Charwin? D'ailleurs, Charwin, on va te demander de lancer des sorts. Des petits sorts. D'ailleurs, moi j'ai un sac de raison, donc autant l'utiliser. Ok, 12, 17. Ah oh, oui, ça va. Alors, Oui, vous avez besoin de quelque chose? Courte durée, qui dure longtemps. Sur vous-même. C'est parti. Non, tu vas pas le lancer. Oui, vous avez besoin de quelque chose. Ok. Vous avez besoin d'autre chose? Non. Oui, allez. Oui, vous avez besoin de... Tous les sorts de renfort, tous les membres du parti. Groupe. C'est parti. Allez, lance. Ah, j'ai tout lancé. Ah oui, j'ai tout lancé en fait. Suis-je bête? Bon, bah regardons un petit peu ce qui se passe autour. Eh? On entend une porte qui s'ouvrait. Tout ça sent très mauvais. Via spectral, je pourrais pas le faire. Potion d'endurance. Restauration suprême avec la harpe. C'est tout ce que j'ai. Allez. Vous restez là. Bougez pas. C'est parti. D'accord. Oh, stoné. C'est qui stoné? On va fermer ici. On va voir ce qu'il y a là. Combattant d'élite gobelin. On va les mettre ici en fait. Vous allez attendre ici. C'est parti. D'accord. Et je vais les attirer. Pour la gloire! Je peux pas tirer d'ici? C'est incroyable ça. Ah voilà, c'est bon. Attention, c'est parti. Oula! Évidemment, la porte. Faut pas qu'on reste dans le feu là. Allez, on passe, on passe. Ah, ils sont balèzes hein, les gobelins. Reviens là. Wow. Je serai victorieuse. Ok. Wow. C'est trop là. Là c'est trop, je pense. Prenez ça. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que c'est des. Il est où le? Il est où le chaman? Il est là-bas, enfoiré.
Voilà. Tommy va tomber ou pas? Allez, vas-y, Tommy. On est fini. T'as encore 33 points de vie, ça devrait le faire. Pour la gloire, je serai victorieuse! Ah, ils sont costauds. Hein. Ah, ils sont costauds. Mais ils ont des. Ils ont des. Comme disait, ils sont rusés. Bon, Tommy, tu viens là. On va relever Charwin. On va relever Charwin très vite. Voilà, c'est mieux. On va aller sortir. En fait, on va sortir, on va se reposer. Viens, Tommy. Il y a Stoney qui est plutôt par là-bas. Donc ici, est-ce que j'ai la place pour me reposer ou pas? On va voir. Oui, c'est bon. En espérant que les gobelins ne soient pas tous revenus. Wow, en fait, c'est une grosse leçon pour moi. Merci beaucoup. Ah la vache, oui, j'aurais dû attaquer comme ça. J'aurais dû vraiment faire ce que je faisais avant. Vraiment les faire venir un par un, quoi. Combien il me reste de soins? Pas grand chose, hein, je fasse gaffe. Que 3 soins seulement. J'ai bien envie de mettre un petit portail ici. Placer un lien. Placer troisième lien. Il faut réutiliser. Alors c'est porté jusqu'au lien. La maison des portes. Ouais, c'est bizarre. Enfin bon, on y va. Il y a le faucheur qui est ici. Ouais, porte du faucheur. Portail vers d'autres plans. Portail vers d'autres plans, on va essayer ça. Alors, portail béant, salle du puits, oui. Linu est là, Dailan est là, parfait. On va parler à Triesta, voyons ce que vous proposez. On va vendre tout ça. Alors la serre plus 3, on va la vendre. Ça, je vais garder ici. Portion magique, je m'en fiche. Je n'ai pas d'animal. Les yeux de Rakshasa. Je sais pas si ça vaut quelque chose d'intéressant. C'est juste que je vais garder, on sait jamais, j'en ai besoin comme composant. Ça se vend. Il y a deux nymphes, je vends. Coup de féerique, on s'en fout. Notification que je garde sur le côté. Le pareil, bouc de fichissant, je vends. Il est trop mignon, ce gobelin. Ouais. J'ai rien à vendre d'autre, donc regardez pour les soins. Ah là c'est ça. Plus 6, allez, on y va. Heure de pause, oui oui peut-être, non, non, hein. Bon, ça en fait des trucs, hein. Par contre, j'ai pas de... J'ai pas possibilité d'acheter des sacs de contenance. C'est bizarre. 10, 10, ouais ça va suffire je pense. 10, ouais il y en a 30 là, ça va. On devrait le faire. Ok, alors on va réutiliser la relique du faucheur, on est parti. Les porter jusqu'au lien. Maison des portes. C'est le troisième lien que j'ai placé, hein, donc il doit être ici, je pense. Allez, là, il n'y a rien. Bon, pourquoi pas. Niveau 2, nord, oui.
Parfait. Bon, on va y aller doucement cette fois. On va aller voir Stoney là. On va voir ce que Stoney veut. Stoney le pierreux, je vais l'appeler. Oui. Vous avez besoin de quelque chose? Ouais, lancer un sort sur toi-même en fait. Visage spectral, vas-y. C'est parti. Ah, mais pas. Ah, si, c'est bon. Parfait. Allez. Hop! On s'auto-sauvegarde. Pouf! Et restez là, tiens d'ailleurs. Tu peux lui parler ou est-ce que c'est automatiquement? D'accord. Ouais, il est automatiquement comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Si tu décides, donc. Il est moyen. Je vais voir si je peux le faire tout seul en fait. Bonjour! Ah oui, il fait mal. Au secours! Ah oui, il fait très très mal. Hé! Hey, quand vous voulez, les gars. Wow! Il avait au moins 200 points de vie, hein! Au moins! Non! Il avait des bonnes de rapidité! Ah, le pied total! Plus 7 et plus 2, et moi j'ai quoi? Oh non, j'ai mieux. C'est pas grave, on va quand même le prendre. Et dire que je viens d'aller à la. Enfin bon, dégâts froids plus 1 des 6. Ouais, c'est pour ça que j'ai si mal que ça. Uniquement par géant? Oh, super! Bon bah, ok. Par contre, les boîtes de rapidité, je vais pas cracher dessus. Même si les boîtes de 7 lieux et plus 3 dans les constitutions, c'était bien. Ça va quand même changer la mise. 32 de base. Mon bouclier, il est où? J'ai pas mon bouclier, c'est pour ça que j'ai pris trop cher. 38 de classe d'armure maintenant, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Je vais peut-être donner à quelqu'un les boîtes de 7 lieux. Oui, parce que bon. Ça va pas trop lui manquer, je pense, ça. Voilà. Donc 48 points de vie au lieu, ouais, c'est pas mal. Ajoute plus 2, ouais. Tout ce qu'il y avait, il y avait. Après, il a fait mal, hein. J'ai pas mon bouclier, il y avait un bug. Quand j'ai équipé mon bouclier, il était pas là. Un peu de deg, mais c'est pas grave. Ouais, il y a rien ici, c'est le vide absolu. En tout cas, c'était sympa. Stone est où? Peut-être que mon inventaire doit être assez rempli. Ah non, ça va. C'est juste que pas que je dépasse 90 livres encore. Ouais, cool, j'ai plus vite. Donc ça va taper deux fois plus vite aussi. Enfin, ça rajoute une attaque par round en fait. Ça fait deux. La première attaque elle est doublée. Pas les autres. Première attaque est doublée. Ah, il y a l'autre. Ouh, il est juste derrière lui. Il est juste derrière. Ouais. Allez, c'est parti. Il est là, ouais. Pour la gloire! Bon, allez, critique. Dans ta face. En fait, ils ont d'énormes sorts en fait par rapport aux. Ils sont des espèces de gobelins mutants. Ils ont été mutés pour avoir d'énormes sorts en fait. Ah, j'aurais pu passer par le couloir là, mais non. Ah, j'entends un levier. Ça me semble. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Chaman Gobelin là-bas au fond. Vous allez rester là tous les deux. D'accord. Et moi je vais faire ça. Non, 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 non. Je peux pas les attaquer ici. Prenez ça. Et de deux. Ah, c'est dommage, hein. J'interromps, hein. Petite saloperie. Allez. Ah.
Prenez ça. Ils sont où les autres? Tommy, tu viens? Ah Tommy, je te dérange pas? Bon là, c'est bien passé quand même, là, c'est bien. Ils sont bizarres cette histoire là. Avec tous ces... ces marques de suie sur le... Je pense que c'est à cause de ça là. Je pense que c'est à cause des... Il doit y avoir quelque chose de l'autre côté. Fermé à clé, ouais. Tout me dit qu'il va falloir être très prudent pour y aller. C'est parti. D'accord. Attendez une seconde. Regarde un peu ce qu'il y a. Ah ouais. Ah ouais, je vois en fait. Ouais, je vois très bien ce que c'est. Chaman, ingénieur. Je serai victorieuse! Ah, c'est cool! Excellent! J'ai pu détruire le truc sans. Sans déclencher l'attaque des gobelins. C'est génial! Ils sont trop cons. Je serai victorieuse! Ah! Le chaman, c'est lui qui est plus dangereux. Voilà, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres chamans hein? J'ai pas l'impression. Allez! Au moins, ils sont pas très résistants. J'ai pas l'impression qu'il y a un chaman quelque part. Non, ça va. Suivant. Heureusement que je résiste bien. Ils sont assez nuls, faut bien le dire. Je sais pas qui m'envoie des éclairs là. Ingénieur, peut-être ingénieur. Voilà, parfait. J'adore les fesses qui se perdent dans le gouffre quand je rate. Ah, j'ai été maudit ou bien? Non. Ils ont été un peu augmentés ces gobelins, mais ils sont pas super puissants. Mais ils sont malins. Ils sont très malins. Je pense que ça va donner le roi des gobelins. Parfait. Vous pouvez venir. Ah, attention mon piège, quand même. J'aurais pu demander votre aide pour attaquer là-bas, mais à mon avis, vous auriez pris pas mal de flèches et pas mal de points de vie. Donc j'ai préféré prendre tous les... J'ai préféré tanker, faut bien le dire. Ce qui est mon rôle d'ailleurs. On voit un petit peu sur le pont, des pièges ou pas? On dirait pas. C'est bien trouvé, hein, c'est bien fait comme... comme piège, entre guillemets. De siège. Oula, là, je te laisse passer mon grand, vas-y. En plus la grille est piégée donc les mecs ils se retrouvent sur le pont, ils sont piégés, ils se prennent voilà, les balistes. Les balistes je pense que c'était quelque chose quand même. Hein. Est-ce que tu peux déverrouiller? Apparemment oui. Non tu peux pas? C'est parti. Ah bah voilà. Ah bah Charwin, ah d'accord, c'est Charwin qui le fait. Ah, il y a un piège sur le... Et voilà, c'est fait. Il y a un piège sur le sol, il y avait un piège sur le sol, saloperie. Il l'a vu en plus, pas moi.
s'il y a un piège ici ou pas. C'est vraiment bien foutu, hein. C'est faut vraiment être prudent, quoi. Il peut crocheter, mon ami. C'est parti. Apparemment, oui, il peut. On est tranquille. J'entends quelqu'un qui actionne un levier, hein. C'est. Ouais, soyons prudents quand même. Ah voilà, un piège ici. En fait, le piège n'était pas visible parce qu'il était un peu en dessous de texture. Il y a... C'est Tommy qui l'a vu, mais pas moi en fait. Et voilà, c'est fait. Merci Tommy. C'est un plaisir de travailler avec toi. Bouton de bénédiction, ouais, bon. C'est pas non plus la panacée. Ah, j'ai raté deux sacs là. Allez. Bouge-toi, Tommy. Oh, une pièce d'or, ils étaient riches, ces gobelins. Ou alors leur chef est vraiment radin. Il n'y a qu'une seule porte et j'entends un bruit de... J'aime pas ça quand... Quand il y a un... Oula. Ah oui. Moine seulement. Allez, sauvegarde. Mon cher Tommy, c'est pour toi, je crois. Fais-toi plaisir. Et voilà, c'est fait. Et tu peux crocheter aussi. On dirait que oui. Et voilà, c'est fait. Ouais, amène-toi, Tommy. Mets sur le côté ici. Ouais, et tu bouges plus. C'est parti. C'est parti. C'était quoi ça? Il s'appelle comment lui? Bon, on va voir. Ah, c'est ça qui faisait faire des... qui modifiait les gobelins en fait. Et il s'appelait Argo dans Noir. Ah bah le pauvre petit choupiné. Venez, on va voir s'il y a des pièges. Un coffre, des caisses. Le repère des gobelins a été vaincu, on y va. Ouais, la chaîne pourpre, et bah c'est tant mieux. Une pierre, une masse d'armes, plus 2, altération, extérieur plus 4, très bien, ça fait une belle jambe. Pas mal celui-là, feu résistance 15. Ouh. Ceinture, c'est quoi? Force plus 3! Bah voilà ce qu'il me fallait, moi! Mais si j'ai déjà. Donc c'est surtout des objets, des gants de force, il me faudrait. Tommy, non, c'est plutôt Charwin que je vais la mettre, quoique. Tommy ou Charwin? Tommy, il a rien, je crois. Ah si, il a. Ça sert à rien d'avoir plus 3 en force pour nous, donc avec ça tu rends des pays, moi je prends pas beaucoup de dégâts aussi, c'est pour ça. Voyons un petit peu la description. Un gros levier sort du sol et doit contrôler un mécanisme quelconque qui se trouve en dessous. Ah ouais. Range. Pas de piège. Caisse, pas de piège. Je dirais pas. Bon, je pense qu'ils avaient les moyens de piéger leur truc. Hein. Ok. Parfait, pierre verte. En dessous. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouais. Aucun intérêt. Allez, on sort. On va retrouver le point central. Qu'est-ce qu'il faudra revenir plus tard ici? Pour modifier des choses. Je pense qu'il a... Pas de pierre secrète, y'a pas de pierre secrète, rien. C'est bizarre. Bon, allez, on retourne en arrière. On verra bien. Si on passe par ici, on va peut-être taper du gobelin encore ou pas? Moi je suis passé par l'extérieur, pas par là. Oula, 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 oula. Tommy, par ici, Tommy, merci.
C'est parti. Plein de petits pièges. Ah oui, c'est vraiment très bien foutu là, cette... C'est des petits galopins, des petits... Et voilà, c'est fait. Des petits vilains gobelins. Ah, et j'avais... voilà, c'est fait. J'avais plein de moves pour galopin, etc. Mais j'ai totalement perdu, j'ai oublié. Ça me sort de la tête. C'est bizarre. Et gredin, peut-être, oui. Gredin, galopin. Et c'était choupiné, ces petits gobelins. Il les a changés, hein, j'en suis sûr et certain. Ce gobelin, il a trouvé un moyen de les changer. Du sang de monstre. Et voilà, c'est fait. Ouais, y'a rien qui sent plus mauvais que ça, du sang de monstre. Bon, bizarre. En vrai, tout est fait, je pense, ici. J'ai trouvé la chaîne. Donc, on va pouvoir faire la chaîne du centre. Ouh, on est quand même à 44 minutes déjà. Ouh, chaud, chaud, chaud. Bien. Peut-être pouvoir courir un peu. Je vais sauvegarder quand même. On sait jamais. Allez, les gars, on court. Salut là! Toi, on t'en veut pas. J'ai dégagé l'entrée, c'est vrai. Si, c'est vrai, pas oublié. Ah, c'est bien, il y avait des bottes de vitesse, le géant, mais faut, je crois pas quoi. Allez, on y va doucement. Ok, les couleurs fonctionnent dans l'eau mais rien ne se passe. Okay, est-ce qu'il faut actionner ou est-ce qu'il faut mettre dedans? Non, faut pas encore mettre dedans. Alors ici nous avons le pourpre. Il y a quoi? Il y a rouge. Alors le rouge c'est ça, sur un certain. Rouge, vert, jaune et pourpre je crois. Jaune, pourpre, rouge c'est ça. Bon bah ok, mais est-ce qu'il y a un ordre dans lequel les mettre? On va voir. Jaune. Facilement en place, ok. Violette pour pourpre, évidemment. Ici nous avons le rouge. Ici nous avons le vert. Et maintenant. Ça apparaît 6 tourbillons colorés. Ah, faut aller voir ce. J'ai eu vert, violet, rouge, vert, violet, rouge, jaune, vert, violet, rouge, jaune, violet, violet. Vert, violet, rouge, jaune, violet, violet. Alors attendez, vert. Violet. Rouge. Jaune. Ah, apparemment. D'accord, quand on se trempe, on se trempe, hein. D'accord. J'ai trempé donc. On va recommencer. Allez, parti. Recommençons. Vert. Violet. Rouge, vert, violet, rouge, jaune, vert, violet, rouge, jaune, violet, vert, violet, rouge, jaune, violet, violet, vert, violet, c'est ça, ouais. Alors, vert, violet, rouge, jaune, violet, violet. Et ben voilà. Je sais que j'ai te trompé un petit peu. Désolé, les amis. Berger. Ah, c'est le fameux golem de chair que j'ai vu tout à l'heure. Que j'ai vu, pardon, dans l'autre épisode. Oui, c'est l'air sympa ici, mais un peu bizarre. Coucou. Hey, comment avez-vous franchi les portes?
Alastor a toujours dit qu'on ne pouvait pas les passer quand les chaînes avaient disparu. Il se peut que j'ai trouvé les quatre chaînes, mon ami. Vous avez dû trouver les chaînes et démolir les drôles. J'adore cette voix. Ça leur apprendra, Alastor va être très fier de vous, vous savez. Qu'êtes-vous ? La créature paraît momentanément confuse. Oh, désolé. Alastor me dit toujours de penser de la même manière. Pourtant, je suis berger, le fils d'Alastor. Pardon. Amusant, moi j'aurais pris pour un golem de chair. Alastor est votre père. C'est un honneur pour vous, sans doute. Pourquoi ? Vous croyez que je mens ? Je ne mens pas. Alastor, c'est mon papa. C'est lui qui me l'a dit. Vous êtes un golem, une créature artificielle. Comment pourriez-vous avoir un père ? Dit Jarwin. Alastor m'a fait. Il a dit que c'est lui qui m'a cousu. Je l'aide à gérer son donjon. Tout le monde était très gentil. Tout le monde me souriait et disait « Bonjour, berger !» Évidemment, mieux vaut ne pas se mettre le magicien à dos en embêtant son fils. Je veux dire, son golem. Maintenant, c'est moins bien. Depuis que papa s'est fait enlever. Les autres ne m'aiment plus trop. Les elfes noirs sont les pires. Alastor est prisonnier, berger. C'est vrai, mon père est entre leurs mains. Les peaux noires, oreilles pointues, les cheveux brillants, méchants drôles. Et maintenant, ils sont après moi. Depuis qu'ils ont attrapé mon papa, les drôles se promènent partout où ils veulent dans mon profond. Ce n'est pas bien. Alastor n'aime pas que les gens se promènent chez lui. Mais ils ne peuvent pas tuer mon papa, sinon mon profond va s'écrouler sur leur tête. Alors ils le gardent en vie. Et quand il sortira, il va être fou de rage. Et là, les drôles, ils vont le regretter. Vous avez un plan pour le libérer ? Moi ? Non, si je pouvais, non. Je sais, je vais... Non, j'ai pas de plan. Je suis pas très doué pour les plans. Ouais, ça m'étonne pas, l'ami. Peut-être qu'Alastor était à court de cerveau en bon état quand il vous a cousu et qu'il a fait avec le tout venant. Alastor a dû penser que cela vous rendrait plus obéissant. J'ai constaté la même chose chez les humains. Plus ils sont bêtes, plus c'est facile d'en faire ce qu'on veut. Mais vous pourriez m'aider. Vous avez l'air intelligent et costaud. Vous pourriez écraser les drôles et sauver mon papa. Oui. Ne vous inquiétez pas, je trouverai un moyen de libérer Alastor. Vraiment, youpi. Je sais que vous allez réussir. Ça se voit rien que vous regardez. Dès qu'il sera libre, il s'occupera de ses elfes noirs. Il leur fera regretter de m'avoir embêté. Eux et tous les autres. Il va tout arranger, comme avant. Les monstres de mon profond resteront dans mon profond, et les drôles vont dégager et retourner à leur place dans notre terre. Alors, où Alastor est-il retenu ? Papa est dans les niveaux inférieurs, je sais pas trop où. J'ai passé tout mon temps à fuir les drôles et les autres créatures. Ouais, d'accord. Vous allez mourir. Je peux vous demander autre chose ? Je suis pas très malin, vous savez. Bah, je ferai mon mieux pour répondre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mon profond ? Avant, je savais tout sur cet endroit, mais quand Alastor changeait tout, il me prenait à part et m'expliquait ce qu'il avait fait. Mais maintenant, je ne sais rien du tout. Des monstres qui se battent et se tuent, des armées de drôles qui se prennent partout. Ça ne va pas du tout. Ouais, ça craint quand un beau donjon comme ça part en déconfiture. Alastor aurait dû s'attendre à ce que ça arrive un jour. Même quand on est archimage, ça ne doit pas être facile de tenir sous contrôle un lieu comme mon profond. Ah, tout le monde me traitait bien avant, mais plus rien n'est pareil depuis que papa était enlevé. Tout le monde essaie de me tuer. D'accord. Je m'en vais alors. Ah d'accord, alors bon au revoir alors. Je vais rester ici en sécurité jusqu'à ce que papa revienne et que tout aille bien. D'accord, excellent ce personnage. Il n'y a rien à rattraper ici. J'ai l'impression que... Attendez. Non, je veux pas, merci. Ah, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. J'ai déjà parlé de l'anneau en or que je porte. Se reposer ici avant. Je vais faire un petit tour juste pour regarder ce qu'il y a en bas. Et ensuite on arrêtera là parce que ça fait bientôt une heure que je suis dessus. Berger est un personnage tout à fait appréciable. Ça change un peu hein, de voir un golem de chair qui parle et qui parle de son papa comme ça. Bon les gars, je fais une petite sauvegarde. Hop. On va aller voir ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là. Vous restez là. Je veux dire, ils vont être portés aussi, hein, je pense. Juste voir de quoi a l'air le donjon suivant, enfin le niveau suivant.
au niveau 3 centre. Oula. Ouh, négateur d'en haut. Je le sens mal. Hop. Au revoir. Ah bah d'accord. C'est l'heure de régler les comptes. Ah, ah oui, ça pour régler tes comptes, t'as réglé ton compte, c'est sûr. Bon, eh bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, c'est quoi ça? Armure de liberté? Wow! Plus 3 liberté de mouvement, plus 8 CA base. Il était bien armé, c'est bien armuré ce draw. Moi j'ai quoi moi? Plus 3, plus 7, ah ouais c'est mieux. Et en plus j'ai la liberté de mouvement avec. Bah donc on va pas se gêner hein. Allez, viens par là toi. Ça m'aura réussi de... Ouh, je suis presque à la fin. Ouais? Non, c'est pas ça. Tommy que je pour vous? Rien pour l'instant. Je vais juste regarder mon... Hop là. Ouais, je passe à 39. Waouh! Puis en plus elle me va bien. Très belle armure. Très belle armure. Elle va très bien, Ikelia. Tout en or et en noir, c'est chouette, j'aime bien. Enfin, en or, c'est de l'orange, mais c'est plutôt de l'orange. Ouais, c'est or. C'est or et noir. Tout ce que j'adore. L'armure à plaque plus 3, par contre. Tu peux plus la transporter, toi. Non, t'es un petit peu surchargé, là. Ah oui, non, bah non. C'est pas son truc. Et il me reste 321, 346, ouais, c'est un peu chaud quand même. Charwin, elle a combien? Elle doit être pas mal surchargée aussi. Bah, bien, ouais, c'est tombé. Plus 50, ça ferait 113. Ouais, j'ai quand même. Non. Je vais garder pour l'instant comme ça. Hein. Je fais 346, je me plains pas. Hein. Mais c'est dommage quoi. J'aurais fait un petit tour à la. Au-dessus encore à nouveau là. Bon, on verra. On verra. Pour l'instant, je vais vous laisser ici. Petit pas d'hiverien, petit pas d'hiverienne. On s'enfonce de plus en plus dans le monde profond, c'est assez impressionnant. Le design est pas mal fait quand même au niveau des monstres et de toute façon, ils sont conçus. Je trouve qu'il y a vraiment une progression par rapport à la campagne officielle, la première campagne officielle. Première extension était pas mal non plus. Il y a pas mal d'innovations. Alors là, l'innovation, c'est qu'on peut avoir deux compagnons. Donc c'est pas mal. Avec Tommy et Charwin. Allez, prochain épisode, on descend dans le niveau 3 de mon profond. C'est chaud, les amis, chaud. Au centre, en plus, ça va être un peu encore éclaté, apparemment. Donc, bah écoutez, moi, je tremble déjà d'avance de descendre dans le troisième niveau. Et je vous fais des poutous, je vous dis à très bientôt. Sortez couverts et faites attention à vous. Et surtout, attention aux pierres virus. Ciao.